sais pas ce que vous faisiez les mecs, mais je veux pas le savoir. C'est votre vie, ça ne m'intéresse pas, je n'ai rien contre. Je sais qu'en ces temps difficiles, c'est dur, mais quand même, respectez-vous. Enfin, faites ce que vous voulez, dans les tonneaux, je veux bien. Et pas devant vos potes. Toi, tu méritais de mourir. Juste des flèches. Je trouve que c'est vraiment salaud. Deux pièces d'or. Putain, vous êtes pas payés, les mecs. Verrouillé, évidemment. Lui aussi, il est verrouillé. Et lui, non. Ah bah, 27 pièces d'or, c'est déjà un peu plus... Une pièce d'or. Pas verrouillé pour une pièce d'or, mec. Est-ce que tu tenais vraiment? Ah, une potion de soin intensif. Alors toi, tu es intéressant. Au repos. Alors attaquons-nous maintenant à la deuxième porte. Alors évidemment, petit... Le petit mec, regarde bien, je suis, eh bien, à moitié dans la porte. C'est un petit trick, encore un. Oh, attention, c'est des... Un chat des rochers. Oh, attention, regarde bien ce... D'accord, il est mort. Alors, regarde bien le nombre de polygones qu'il a fallu pour arriver à un tel résultat. Regardez bien cette physique incroyable, cette... Bon bah il est mort. Mais est-ce que vous avez vu ce design incroyable, le nombre de polygones qu'il a fallu demander pour arriver à un tel résultat. Putain, il y a 4 coffres quand même. Putain, regarde-moi ce design des coffres. Des coffres qui sont remplis, j'en suis sûr, de choses et d'autres. Qui ne sont pas très très résistants. Putain, quand même 30, 30 et 30, c'est pas mal. Et là je dirais bien un petit 35 juste pour me guac. Ah non, 32 et en plus piégé. Ah là j'ai envie de dire ah là, ma détection des pièges est infaillible. Enfin presque. Comme waouh, est-ce que tu viens de me faire... Je viens de faire un jet critique. Enfin, un échec critique. Ah non. Ou alors dans ce cas il ne me reste plus qu'une solution, la sauvegarde et ouvrir le coffre. 55. Alors là, évidemment, si vous n'avez pas compris, mais j'ai manipulé la chance hein, pour faire en sorte de me prendre ce qu'il faut de dégâts. Enfin, c'est une technique encore inconnue vu que personne, et je dis bien personne, ne fait ce jeu en run. Et pour le style, je l'ai fait pour vous. Et parce que je vous aime. Et j'ai raté un coffre. C'était pas lui. Oh. Ah non, c'est nul. Et j'ai du vin. J'ai du vin. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Le piège, le verrouillage. Bon, il y avait, je suis sûr que aussi le piège. On me l'a fait pas à moi. Ah, c'est une petite chambre avec. Ah ah, voilà le mec que je cherchais. Non, je vous en prie, quoi que vous cherchiez ici, prenez-le et partez. Quitte à maîtresse au Falak, que je regrette de lui avoir fait de la peine. Je le regrette vraiment. Soit je suis le connard. Alors, s'il ne nous a pas envoyé, je le paierai cher. Donc, si vous allez à un bal avec la patronne du masque de Pierre, il vaut mieux éviter de repasser avec sa soeur. Oh.
Vos objets de malheur, vos objets de valeur. Partout. Ok. Je m'en vais. Ouais, mais elle est où ta clé? Non, parce que moi, tu vois, je suis comme ça. Je déverrouille tout. Même ton meuble. Putain, mais même ton meuble, tu le verrouilles. Voilà, alors là, c'est la phase chiante. Putain, quand même, 30 en déverrouillage. Minimum. Ça se trouve, la clé, elle était juste à la première salle. Dans le premier couloir. Et je l'ai raté. Maintenant, je sens la putasserie. Alors, c'est de la merde. Ah, moi j'ai la statue. Ouh, une magnifique serpe. Une serpe de merde. Et j'ai... Oh, j'ai la clé, je peux tout ouvrir. Utiliser. Non. Forcer. On va voir ce qui se passe lorsque je casse une armoire. Là, vous voyez, 9 points, 9 points, 7 points. On attaque sans essai. 6. Oh, vous me faites chier. Je m'en fous. Je suis sûr qu'il y a sans doute moyen de péter ça. Je peux voir 57 pièces d'or. Attends, si je fais tac, tac, je vais me faire foutre. Très bien. Non mais très bien. Ouais, pourquoi pas. Ouh, c'est beau. Si je me la mets, si je la mets. Ouais, ok, alors je suis ex. Waouh. Ah, profitez bien. Je suis vraiment clinquant. Je suis clinquant. Sauf que je m'en fous parce que je perds 2 points d'armure. Bon, les autres coffres. Ça, je les revends. Ça je la garde, j'aime de collectionner des petites babioles. Et donc là, il ne me reste plus que cette porte ici qui est vers. Wait, est-ce que sa clé marche? Est-ce que j'ai failli me prendre le piège dans les dents. Oui, ça ouvre tout. Le coffre, déverrouillé. L'étagère, je lirai un petit. Tiens, je vais lire un petit peu. D'autres pièces d'or, pourquoi pas. Une serpe encore, mais à quoi ça te sert? Mon sac est trop lourd, j'ai du mal à le porter. T'es sérieux? Putain, c'est lequel déjà, celui qui a moins 80? C'est toi. On va mettre la serpe. Mon sac est trop lourd, ouais. J'ai du mal à le porter. Voilà, putain, c'est ça qui pèse lourd. Ah, bah, je la revends. Alors, bibliothèque, citoyen illustre de la côte de l'épée, donc ça je sais pas intéressant, je vous laisse le dire, appuyez sur pause, évidemment. Peut-être qu'un jour je ferai une session lecture. Très intéressant. Ouh, un sort, main brûlante. Très très intéressant, je viens de là. Donc là il ne me reste plus que... une porte, enfin une salle à aller voir, et puis on rend la quête du masque de Pierre Lune, et je vais m'arrêter pour cette session. Peut-être reprendrai-je la semaine prochaine ou dans un mois, je ne sais pas, et je ne m'avancerai pas sur des estimations grossières et mal formulées. Et, ah, est-ce que, ah, ah, je vous avais
Eh mais comment vous étiez trop bien cachés. Putain, vous étiez trop bien cachés les mecs. Ah, je vous jure, vous êtes tellement bien cachés. Putain, ils étaient derrière la porte, je vous ai pas vu. Bon, par contre, je me prends cher. Un là-bas qui fout que dalle. Alors toi là-bas, oui toi, que je montre, tu fous rien. Le critique. La furtivité. Si j'arrive à t'en foutre une. Si j'... Oula, oula, qu'est-ce que... Bon, attaque. Bon, ok. Prenez garde à ma colère. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est... Alors, le jeu fait des phases. Le jeu a des phases bizarres. Je n'ai pas compris. Je l'ai complètement stone. Il est stone, il ne comprend plus rien à sa vie. Tant mieux. Point libre. Rivalité et grande bataille des tribus orques. Ok, et bah vous lisez. Très très intéressante la lecture. En même temps, c'est important de lire. On ne le dit jamais assez, mais c'est important. Voilà, donc maintenant on réutilise ceci. La pierre du rappel. On va se faire soigner par Aribès. Et là, et non pas Aribès. Évidemment, très mauvais jeu de mots, j'ai envie de dire. Oui, oui, Bibiche. M'en fous. Je suis blessé. Là, je crois que t'as une phase où t'as essayé de venir. Êtes-vous disposé à vous rendre dans la salle de... Je crois que t'as eu une phase, biche, et puis t'as fait n'importe quoi. Êtes-vous disposé à vous rendre? Non, je veux pas. Tiens, je te donne de la merde. Tiens, prends. Donc cette clé, j'en veux pas. Pour la statue, je la garde. Statue clinquante. Regardons cette statue. Oh, c'est d'un nu. Oh là là. Oh, c'est un nu. Très très intéressant. Ouais, je m'en fous. Genre, je suis condamné à le garder. Putain, je peux pas vendre. Donc, objet à utiliser. Combien ça pèse cette merde? Ça pèse 1 par H. Et ben, je vais les utiliser dès que possible. Et j'ai oublié de te vendre des trucs. Non, la ferme. J'ai besoin des services du temple. Déjà, je vais remettre le merdier en bas. Donc j'ai ça à donner, ça à donner, ça à donner. En fait, pourquoi il y a une urne? Elle est débréchée comme si elle avait été utilisée pour asséner un coup sur le crâne de quelqu'un. D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Ophélia et je ne veux pas le savoir. Des potions, oui, que je vais t'acheter. Ça, c'est mon merdier que je t'ai vendu. Je vais essayer d'ailleurs, si possible, de voir si je peux trop vendre de la merde. 10 potions, 11 potions, peut-être. Non. Putain, t'es chiante. T'es chiante. Eh ben, je me refais une réserve de 20 potions. J'ai la thune. Hashtag, je fais les courses. Voilà, 10 potions. On va voir ensuite le masque de Pierre-Lune, enfin, machine. Il fait nuit. Incroyable gestion du temps. C'est où le masque de Pierre-Lune? C'est là-bas. C'est là-bas. Il faut descendre. Ensuite on va à... Oula, je sais plus mes directions, ça y est. À gauche. J'y suis allé là. Ça doit être la sortie du masque de Pierre-Lune. Une des sorties. Effectivement. Et ouais. Bon, où est-elle? Gilles. Ophélia, tiens, je suis là. Bonjour. Ah, j'ai un... C'est une maison de mauvaise vie. Une vulgaire maison de passe, je suis autre. Je l'ai utilisée, mon fou.
prochaine, mais c'est pas ça que j'ai. Ah, j'ai un objet d'art qui pourrait t'intéresser. À décrire l'acquisition de la statue. 125 d'XP. 125 d'XP. Waouh, ça m'en serait utile si j'étais mal et mal. Et 400 pièces d'or. Ah bah tiens, la suivante. 125 et 400 pièces d'or. Et l'urne. Et 400 pièces d'or. Un petit supplément. Et la persuasion est à l'échec. Et je viens de gagner 1600 pièces d'or. J'ai envie de dire qui c'est le plus fort. Donc là, j'accepte tout ça. Il ne me reste que 3 quêtes. Et enfin. Et ouais. Ça y est. Mais nous nous y pencherons plus tard sur ces autres quêtes. Car il est temps de nous dire adieu sur les 23 000 pièces d'or que je possède. Et ouais, ça rigole pas. Merci à tous d'avoir regardé cette session qui aura mis du temps à arriver. Je suis désolé. Mais là, actuellement, c'est les vacances. Et qui dit vacances dit. J'en profite parce que merci à tous. N'oubliez pas comme d'habitude d'aller liker les vidéos de Never Internet, les playlists, d'aller regarder les autres vidéos si c'est la première vidéo que vous avez regardée, de vous abonner si cela vous plaît, de me suivre sur Twitter @railus1. Bon jeu à tous et à la prochaine.